cet après-midi avec l'illumination traditionnelle de la lampe d'huile qui signifie du bonheur et de la bonne chance. Nous voici de retour en force à l'invitation du gouvernement sri-lankais, réunis pour quelques jours autour de thèmes mobilisateurs et d'ateliers pratiques afin de faire avancer nos entreprises, notre industrie, nos marchés. Bienvenue au Sri Lanka. À votre préférence. Thank you. The president also wishes me to say that he is very encouraged by your presence here and that he wishes that these relationships that we have established today will go on for a long time for the benefit of both countries. Customers need safety. Sri Lanka is providing safety, security, and stability. The main subject of this meeting is quality. In Sri Lanka, we have no worries about quality. And in a few minutes, specialists will speak about quality. I wish you all a good and fruitful convention and je déclare ouvert le congrès des entrepreneurs du voyage. Thank you. J'ai souligné tout à l'heure avec le ministre sri-lankais des Affaires étrangères l'engagement de la France et des professionnels du voyage à soutenir un tourisme de qualité au Sri Lanka. Un tourisme qui porte des valeurs de responsabilité, de solidarité et de respect de l'environnement. Un tourisme avec un impact social, local et durable. Car ce qui lie nos deux pays, c'est une volonté commune de développer un tourisme responsable et respectueux tant de la vie des populations locales que de l'environnement. Donc l'environnement est instable. Mm-hmm. Puis dans notre environnement professionnel est instable. Il y a peu de métiers qui ont changé aussi vite que nous. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le monde est aplati. Internet a aplati le monde, a aplani le monde, et Google a aplati le monde. On est vraiment sur un monde plat. Et je reviens un instant à des petits entrepreneurs qui me disent « Mais vous ne vous occupez pas de commerce illégal. À côté de chez moi, il y a quelqu'un qui organise deux fois par an un voyage de son association. Il n'est pas immatriculé. » Il a raison, c'est très dérangeant, c'est un caillou dans la chaussure. Mais le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est la suprématie de Google sur notre secteur d'activité. C'est là qu'est le réel problème. Il ne faut pas se tromper de combat. Et quand on est dans un monde aplati, il faut avoir des aspérités. Et les aspérités que l'on a, c'est pas la compétitivité par le prix. Cette compétitivité par le prix, elle a des limites. Ces aspérités, quoi que nous soyons, des TMC, des agences de voyage traditionnelles, des agences de voyage online, des réceptifs, des tour opérateurs, quelle que soit notre activité, il faut que cette aspérité, ce soit la qualité. Que l'on nous distingue par la qualité de ce que nous offrons ou du service que nous proposons et de la personnalisation du service que nous proposons, quelle que soit, je le redis bien, notre activité. En nouvelle condition d'annulation, nous allons travailler sur un barème, de telle façon qu'on ne soit pas surpris en 2018 et qu'il y a un barème de la profession. Donc cette profession va se mobiliser, contrairement aux autres directives précédentes, d'une telle manière qu'elle puisse soit obtenir du gouvernement dans la transposition ce qu'elle souhaite, ou soit mettre en place des outils pour les agents de voyage, les tour opérateurs, de telle façon qu'on puisse, comme ça, faire face à cette nouvelle directive qui, je rappelle, sera mise en place au 1er janvier 2018 avec un délai de 6 mois. Quand il y a une organisation plus forte là aussi, qui permet d'avoir des systèmes d'alerte, qui permet d'être mieux, j'allais dire, repéré et de représenter toute la profession, eh bien, on ne serait peut-être pas arrivé jusqu'à une loi au Parlement. Travailler aussi sur la concentration industrielle, sur l'économie collaborative, hein, je sais que c'est un sujet aussi important, on
on l'évoque et on travaille aussi sur ce sujet, sur les nouvelles destinations, sur la structuration que nous devons aussi mettre en place. Tout ça sont vraiment une volonté que nous avons, que nous pouvons faire ensemble, mais que nous devons faire ensemble, vous en vous organisant, nous en étant économiquement encore plus présents. Voilà peut-être. En tout cas, moi je suis ravie d'être venue ici, de travailler avec vous. Je crois que nous avons chacun dans nos domaines, chacun là où nous sommes, à mieux prendre en compte cette économie du tourisme. D'un point de vue pratique, tous nos contrats avec les sociétés, finalement, les pierres angulaires, c'est la qualité, hein. Tout est basé sur la qualité, sur nos engagements de qualité dans tous les domaines, sur comment on les reporte, comment on les mesure. Et puis, c'est une des possibilités de sortie de contrat si la qualité n'est pas au niveau de l'engagement. Donc la qualité est fondamentale dans le voyage FR. On est convaincu, intimement convaincu, qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, le service qui a fortement disparu, qui est dégradé. Les clients coûtent tellement cher à faire passer devant le magasin, coûtent tellement cher à faire entrer dans le magasin et à convertir ensuite, que c'est une aberration dans notre industrie digitale du voyage en ligne que de ne pas chercher par tous les moyens à le fidéliser. Donc la fidélisation, ça passe par du service et ça passe aussi par la loyauté vis-à-vis du client. C'est un des sujets importants qui est la transparence dans le voyage, dans le voyage en ligne. Et je voulais d'ailleurs, comme Madame la Ministre est ici, l'interpeller un peu sur ce sujet parce que les pratiques, et il nous semblerait qu'il ne serait pas très très compliqué de légiférer sur le sujet pour que le client, quand il rentre dans une agence de voyage en ligne, parce que ça ne se pratique pas dans les agences de voyage physique, le prix qui lui est affiché sur l'écran soit le prix qu'il va le retrouver à la caisse. Donc nous, on a misé sur la transparence, puisque dans un hypermarché, le prix de sa boîte de conserve est exactement le même prix lorsqu'il passe en caisse, quel que soit son moyen de paiement. Donc il y a des tas d'artifices qui sont en fait parce que dans le digital, on ne parle plus vraiment de clients, on parle de transactions. Les indicateurs clés d'activité, les KPIs comme on les appelle, les clients sont devenus en fait une commodité et sont catalogués par la data, etc. Mais le mot client n'existe plus. Et nous, on a remis le client effectivement au cœur du système. On peut passer des heures à faire la litanie de tous les points de qualité. Moi, je crois qu'on a un vrai, vrai souci qui est plutôt de l'ordre de notre culture plutôt que du métier. J'ai eu la chance, moi, de vivre une expérience professionnelle assez longue au Royaume-Uni. Et une de mes grandes découvertes, c'était la pauvreté de notre sens du service en France, dans notre culture. On a malheureusement, en tout cas je le constate dans mon entreprise comme dans bien d'autres, puisque je suis aussi un consommateur, on a une petite fierté à servir en France. C'est pas valorisant, c'est même parfois avilissant. Et je pense qu'on a un vrai souci avec ça et qu'on a besoin un peu de réfléchir à ça et de retrouver une fierté à servir. Et quand on aura ça en place, un jour j'espère, en particulier dans les activités de service comme les nôtres, je pense que tout sera beaucoup plus facile. On a l'habitude en France, et je fais des études de droit, de dire qu'on a le contrat, alors on va lire le paragraphe 1, 2, 3 du contrat, et puis une fois qu'on a bien respecté, c'est au client de se débrouiller. Non. Et c'est bien d'ailleurs ce qui est repris dans tous les principes de médiation que le voyage a appris, c'est de dire qu'il faut penser sa relation client à la fois en droit, mais aussi en équité. Et donc d'aller au-delà en disant moi je suis professionnel, je savais ce qui pouvait se passer, mais quand je me mets du côté du client, qu'est-ce que j'étais en droit d'attendre? Et donc d'être beaucoup plus spontané, empathique dans l'accompagnement du client quand il a une situation pas acceptable. On parlait de qualité, il me semble en tout cas, je ne sais pas ce qu'Emmanuel va dire, mais il me semble en tout cas précisément que la garantie financière est aussi un gage de qualité. Et que cela peut être un élément discriminant vis-à-vis de certaines clientèles. Le fait que les agents de voyage aient une garantie financière pour assurer le remboursement des avances qu'ils ont perçues ou, cas échéant, pour rapatrier d'urgence les clients,
Il me semble que précisément, c'est un service de qualité que notre pays est l'un des seuls, à ce point d'ailleurs, à offrir aujourd'hui, puisqu'on a un champ d'application extrêmement large. Il y a des hôteliers qui ont des garanties financières pour faire du forfait. Dans d'autres pays en Europe, ce n'est pas le cas. Donc il me semble en tout cas que c'est plus une chance qu'un handicap. Donc, Sébastien Guyot et toute l'équipe est ici à votre disposition pour vous éclairer. On est en train de changer totalement notre offre. On va l'annoncer là dès le novembre, une offre tarifaire commerciale plus agressive, avec plus de choix, plus d'attractivité, donc avec trois produits, plus simple aussi, hein, donc avec trois produits, un light, standard et un flex. Mais je vous fais un peu de teasing, je pense, pendant les journées à venir, hein, n'hésitez pas à revenir vers les équipes qui vont vous expliquer tout ça. Je pense qu'on a même des documents et des brochures, voilà. Donc ça c'est l'actualité moyen courrier. Et puis sur le court courrier, quand même, un petit clin d'œil sur les 20 ans de la navette. Donc, on a annoncé une cinquième destination, donc Montpellier, il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, ça va être une année festive pour nous, hein, donc 2016-2017, puisqu'on a lancé exactement en 1996 la navette qui marche bien. Le premier chiffre qu'on peut retenir, c'est que le poids des agences de voyage dans nos ventes s'était renforcé en 2015 et continue à se renforcer en 2016. Traditionnellement, on est autour de 20% de nos ventes en agences de voyage. On va franchir les 21% sur 2016.